Frère! Yeah, j'espère que vous allez bien la famille. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo chez Chicken Farmer. On est à Aubervilliers dans le 93. On est venu pour déguster du poulet, du chicken, un truc. Et franchement, là j'ai la dalle, frère. Frère, j'ai la dalle et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va déguster des tenders, des pignons de poulet, des burgers au poulet, des frites, des crazy rolls. Regardez, c'est des crazy rolls, c'est des espèces de rolls poulet frit avec du cheese naan. C'est incroyable la famille, on va se régaler. On est à Aubervilliers dans le 93. Il n'y a rien à dire d'autre. Donc la famille, je vous présente un peu ce que j'ai pris. Chicken Farmer, ça fait 3 ans qu'ils sont ouverts. C'est le premier, c'est à Aubervilliers. Je vous mets l'adresse dans la description. Ce qui est bien ici, c'est que c'est l'univers du poulet. Et vous savez que moi, le poulet, c'est une grande histoire d'amour. Celui qui n'aime pas le poulet, franchement, celui qui n'aime pas le poulet, il n'aime pas sa mère. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Bref, on a pris du burger. Regardez-moi ça. Il est énorme. C'est un burger avec un poulet ici, un poulet frit, une galette de pommes de terre. Regardez, je vous montre le dessus, avec la sauce, avec le fromage, la salade. Ça croustille, frère. Oh là 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 là, c'est magnifique. J'ai pris ça. Bon, on a des frites, hein. On a des pignons de poulet, regardez. On a des pignons de poulet. On a, qu'est-ce que c'est ça? Des tenders. Oh, les tenders ici, ils ont l'air délicieux. Hein. Franchement, ils sont délicieux. Pour ceux qui s'en souviennent, j'avais commandé chez eux, c'était super bon. J'ai dit, un jour, je vais venir ici manger, c'est obligé. Je ne sais pas par quoi commencer, il y a tellement de bonnes choses. Je vous fais un topo de ce qu'il y a, on goûte et c'est parti. J'enlève le masque parce qu'on est à l'intérieur maintenant. La famille, donc j'ai enlevé le masque, on va se régaler. Ah oui, regardez, la sauce verte. La fameuse salsa verde de la izquierda. Non, oui, à la izquierda. Ok, ça c'est la sauce pour le poulet, pour les tenders, pour la tremper dedans. Regardez, c'est la sauce verte, la fameuse sauce qu'on mange avec le poulet frit. La famille, vous savez quoi? D'habitude, je prends la poucave avec moi pour mesurer la masse, mais là, pas besoin, parce qu'aujourd'hui, je suis capable de déterminer la masse exacte. Celui-là, il fait... Oui, il est à 382. Hein. 382. Vous me croyez pas? Ah ben, prenez-le et vérifiez par vous-même. Je rigole, j'ai oublié la poucave. D'habitude, je la prends avec moi, mais là, je l'ai oublié. Même El Niño, il a fugué, donc ça, on ne verra plus. On va goûter le... On va goûter celui... On va tous les goûter, en fait. Regardez. Bon, c'est parti. 1, 2, 3, bismillah. Eh, c'est trop bon. Approche. Regarde. C'est délicieux, la sauce. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Qu'est-ce que c'est. Ça glisse tout seul. Vraiment, ça glisse tout seul. Si je pourrais manger ça tous les jours au petit déjeuner, je mangerais ça tous les jours au petit déjeuner. C'est incroyable. La famille, on enchaîne sur les tenders. Tu vois. Regarde-moi ça. J'ai pas envie de croquer dedans, là. Je te donne pas envie de croquer dedans. Je vais aussi goûter le pignon de poulet. Parce que peut-être je me regarde de travers. C'est aussi bon, hein. Mais, regardez. Ma famille, vous êtes plutôt pignon de poulet ou tenders? C'est quoi pour vous le mieux? Parce que je vous dis la vérité, hein. Moi, je réponds. Moi, j'aurais penché pour des tenders. Pourquoi? Tenders, tu croques dedans direct. Tu croques, t'avales tout ce que tu mets dans ta bouche. Alors que le pignon de poulet, c'est un goût plutôt, on va dire, un peu plus naturel, enfin pas naturel, mais un peu plus authentique parce que c'est directement le poulet. Mais le goût est ailleurs, c'est un autre goût. Après, il y a deux teams. Vous êtes de quel team? Dites-le dans les commentaires, la famille, j'aimerais bien savoir. Parce que entre pignon de poulet et tenders, ça se discute. Vous savez, c'est quoi mon rêve? Mon rêve, j'ai toujours voulu. Vous vous rappelez dans les dessins animés à l'ancienne, quand tu mangeais un poulet, les Américains, là? Comme dans Tom et Jerry, là. T'as les poulets, là? Des pignons de poulet? J'ai toujours voulu croquer là-dedans. J'en ai jamais trouvé. Mais juste, je sais pas pourquoi ils les ont dessinés comme ça, mais j'ai toujours voulu les manger comme ça. Bref. Citron, gingembre, j'ai jamais goûté cela. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Freeze. Donc, Freeze, si vous regardez cette vidéo, envoyez-moi des boissons à la maison. Je me ferai un plaisir de les tester. Là, on va passer aux choses sérieuses. Je vais vous présenter le Crazy Roll. C'est un cheese naan. Le cheese naan, c'est un pain fait avec de l'âne et du fromage. T'imagines? C'est du hamma. Le cheese naan, c'est un pain. Alors, c'est un pain qui nous vient de la région. Comment on appelle ça? Ça vient d'Inde, Pakistan, tout ça en fait, c'est ça? Ça vient de là-bas. Donc c'est un pain cuit dans un four traditionnel. Et la version cheese naan, c'est la version fourrée au fromage. D'accord? Oh là
là, regardez. Regarde-moi ça. C'est incroyable. Quand je vois ça, franchement, je sais que je vais passer un bon moment, tu vois. Je sais que... Oh, allez, c'est parti. Dégustation. C'est là. C'est la sauce qu'il y a dedans, je kiffe, en fait. C'est une sauce poivrée qui pique. Ça te remonte dans le nez. Avec le tisnan. Avec les cornichons, les oignons rouges. Non, c'est une tuerie. Franchement, on vous dit de manger une fois par jour. Un seul repas. Vous sautez le petit déjeuner. Vous sautez le repas du midi. Vous avez le droit de manger qu'un seul repas le soir. Un seul, toute votre vie. Moi, j'aurais choisi ça. Normal. Normal. Je serais... Laisse tomber. Ok, j'ai pas les mots. Bref, on continue la dégustation. Eh, venez voir, je vous ai pas montré les frites, regardez. Ça, c'est des frites, elles sont croustillantes. Ça se voit, elles sont croustillantes. Elles sont dorées, elles sont croustillantes. Après, bon, des frites, c'est des frites. Vous me connaissez, moi, avec la position que les frites du ghetto. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote. Vous savez que McDonald's a inventé une variété, a créé une variété de pommes de terre. Donc ils ont fait des mix, des machins, je sais pas ce qu'ils ont fait dans leur laboratoire. Ils ont créé une variété de pommes de terre qu'ils ont élaborée et ils ont fourni ça à des agriculteurs pour justement que les agriculteurs puissent cultiver ces pommes de terre et ensuite la revendre. McDonald's rachète la pomme de terre cultivée. Sachant que pour cultiver ces pommes de terre, tu es obligé de payer des royalties à McDonald's. Franchement, vous avez vu le business comment c'est fort quand même. Ils créent quelque chose, ils te mettent à disposition, ils te disent on te l'achète, on l'a créé, mais toi, si tu veux le produire, tu vas nous payer. Vous voyez, McDonald's, c'est vraiment, c'est la base. Enfin, quand je dis c'est la base du business, c'est la base de, c'est eux les premiers, et c'est, frère, McDonald's, il y en a partout dans le monde, tout le monde connaît McDonald's. Ah, il y a des sauces avec. La famille, j'ai une question. Quand vous mangez comme ça, vous allez manger quelque part, vous prenez un menu. Donc quand je dis menu, ça peut être un burger, ça peut être un kebab, ce que tu veux. McDo, est-ce, vous mangez quoi en premier? Vous mangez les frites, vous mangez le sandwich et la boisson, à quel moment vous la prenez? Je veux dire, quel ordre vous utilisez? Moi, je pars dans un ordre où je commence par les frites. Une fois que j'ai fini les frites, j'attaque mon sandwich. Je fais jamais le... Je peux pas faire le... Tu vois ce que je veux dire? Bon, à part pour les vidéos. Mais moi, c'est frites, d'accord? Sandwich et la boisson de temps en temps parce que il faut que ça glisse quand même. L'ordre, c'est comme ça. Tu as des gens, ils ont un plateau rempli de frites, ils vont en manger trois ou ils vont les manger à la fin, ils finissent jamais les frites. Moi, je finis toujours mon plateau. Tiens, on a des goûts de ça. C'est une de nos spécialités. C'est quoi? C'est comment ça s'appelle? C'est le farmorne. Ah, il a l'air plus costaud que l'autre, hein. Ouais, il est plus costaud celui-là. C'est la spécialité, donc on... D'accord. Et il y a quoi de spécial dans celui-là? Alors, dans celui-là, on a une sauce spéciale. Donc, c'est une sauce mayonnaise relevée au bacon. C'est ouais. Une sauce un peu fumée. Ah. En plus, on a des tranches de bœuf fumé et des oignons frits. Et donc, ça rajoute un goût spécial. Ouais. Particulier ça par rajoute, rapport aux autres. Ça rajoute un goût de fermé du Texas. Exactement. Du Kansas. Exactement. À l'américaine, franchement. Et on va se régaler, ça a l'air super lourd. Je te remercie, frérot. Y'a pas de soucis. Je vais manger ça tranquillement et puis je te vois tout à l'heure. Y'a pas de soucis, merci. Bon appétit. Oh là, ah là là là. Hey, lâche un pouce bleu la famille là, obligé là. Lâche un pouce bleu la famille parce que ça a l'air vraiment lourd. Ah, y'a la petite assiette qui arrive, la famille. Tiens, la ville. Alors, qu'est-ce que c'est de ça? Donc, ça, c'est le poulet braisé. C'est une de nos spécialités aussi. Ouais. Donc, ça, c'est le riz qu'on fait chaque matin maison. Donc tu vas retrouver des petits pois, des oignons, des poivrons. Ça c'est notre poulet braisé, donc on met une épice spéciale donc avant de le mettre en cuisson. D'accord. Donc là on a une petite salade pour accompagner le tout. Accompagnement et la petite sauce verte maison. La petite sauce verte maison, exactement. Nickel, c'est super sympa. C'est quoi comme épice? Parce que là je sens l'odeur, ça a l'air bon. Hein. Les épices, c'est un peu secret. C'est la recette secrète. Et ça c'est le poulet braisé. C'est ça. Vous avez bien vu? Oh là là. Merci beaucoup en tout cas. Pas de soucis. C'est super. Je te souhaite bon appétit. Merci, on va goûter tout ça. Et le riz là, il a une odeur, frère. Le riz. Juste l'odeur là, c'est bon. Ça fond dans la bouche. Oui, il est encore fumant. Il est encore vivant. Non, je rigole. Il est bien fumant là, regarde. Franchement, c'est incroyable. Imagine-toi, par exemple, un KFC. Imagine-toi un KFC qui font du poulet braisé comme ça. Imagine-toi, le carton, ça ferait. Eh ben, ici, pour moi, c'est mieux qu'un KFC. Lâchez un pouce bleu. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Ça ferait aussi super plaisir. Lâchez un commentaire. Et aussi dans la description, il y a l'adresse. Mais il y a aussi mon nouveau compte Twitter. Parce que oui, j'ai forcément un nouveau compte Twitter. J'ai été suspendu, j'ai été banni parce que voilà, on ne peut pas dire tout ce qu'on veut. Bref, tout est dans la description, tout est dans les liens, la famille. C'est quoi ça? C'est quoi? Ouais? Un pouce bleu. Alors lâche-le. Lâche-le tout de suite. Voilà, la famille, on a terminé. Donc là, non, salade César pour toi. Il veut pas que je parte, il veut que je mange. Merci chef, salade César. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. C'est toi qui l'as préparé? Ouais. Incroyable. Merci chef en tout cas. Elle a l'air, franchement, elle a l'air succulente. T'as vu la fourchette là? Hop. Goûte-le. Ah, je vais goûter tout de suite là.
Bouddha avant de partir. Je vais pas la goûter, je vais la manger. Voilà. Mmh. Avec le poulet chaud. Ouais. Ah ouais, magnifique. Il y a le poulet. Il y a le fromage. Tout en cornichon, salade. Franchement, nickel. Oignon crispy. Merci frérot, en tout cas, ouais. Ça fait super plaisir. Je vais la déguster tranquillement. Ouais. C'est aussi au menu, hein. Il y a le menu salade César. Ouais. Et ça, c'est pas mal du tout. Hein. Tu manges ça à midi pendant la pause déjeuner au taf. Franchement, c'est nickel. Salade César, c'est léger, c'est bon. C'est chicken farmer. Ouais. En tout cas, la famille, moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Cheers.